Ça va? Comme ça? Et bon, c'est un peu plus. C'est un peu plus lumineux. Allons-y. Je vais venir. Oui, c'est bon. Allons-y. Donc, j'étais en train d'écrire, c'est d'écrire un peu plus grand. Donc, on était en train de résoudre cette équation si l'espérance de X existe. C'est l'équation qu'on a obtenue en séparant notre somme en deux morceaux. Il faut juste la résoudre en rééquilibrant. Hein. Donc, on développe, on rééquilibre. Hein. Ça, c'est équivalent à ce que E de X, ça passe du 1 moins P E de X plus R facteur de 1 moins P. Ce qui nous redonne, si je passe le 1 moins P E de X de l'autre côté, ça va me faire du plus 1 moins P, donc ça va me faire du. Non, si c'est moins 1 moins P, excusez-moi, ça va me faire du P E de X qui me fait du R 1 moins P, et ce qui fait tout simplement que E de X, ça fait du R 1 moins P. L'idée principale qui a fait tout marcher dans ce calcul, c'est ce que j'ai caché ici, on a vu en fin d'heure jeudi matin, c'est le R fois 1. Ici, bon, c'est un peu particulier qu'on ait une équation sur l'espérance, mais c'était surtout cette seconde somme, si on ne savait pas la calculer, on était complètement bloqué, et ça c'est un raisonnement de haut niveau, mais qu'on peut utiliser fréquemment quand on s'en sert, notamment quand on fait la preuve de l'espérance de la Boolean binomiale, on peut s'en servir comme ça. C'est juste de dire que puisqu'on sait que la somme de toutes les probas est 1, si on peut la faire apparaître, c'est aussi une somme, même une somme aussi compliquée, et pas une somme de référence. C'est l'intérêt de cet exo, mais c'est ce qui en fait une question assez difficile. Dans le cas général, on ne s'est pas posé dans l'exo, dans un fait d'exo que je vous ai donné, il y a plein d'autres exos là-dessus sur la loi binomiale négative. Quand on fait la loi binomiale négative, où on fait deux piles, on a fait avant jeudi matin, là, calculer l'espérance par la dérivée de la géométrie, la dérivée des secondes de la géométrie, ça se passe sans problème. Voilà pour ça. Alors, ce calcul est valable que si l'espérance existe, parce que cette équation pourrait tout à fait être vraie sans que l'espérance existe. C'est-à-dire que si l'espérance est entre guillemets l'infini là-dedans, ça pose aucun problème de dire que l'infini, c'est un moins P fois l'infini, tout ça. Donc, s'il y a une solution réelle, c'est celle-ci, mais il faut vérifier maintenant que E de X est bien réel. Ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on pensait se lancer dans les calculs de somme partielle qui amène à une limite, on est tombé sur une équation. Donc, il faut justifier de la convergence, qui va me faire un petit marche avancée sur la remédiation tout à l'heure. Donc, cette espérance existe maintenant. La vérification, c'est si et seulement si la série des R, c'est K qui varie dans cette formule-là, et c'est du K vers moins 1, et c'est du P puissance, avec quoi c'est du P puissance R à moins 2 puissance R. Cette chose-là converge absolument. Ok, ce qui revient, puisque K est supérieur ou égal à 0, on peut le dire directement, ça revient à prendre que la même série, mais là je vais commencer à 1, juste parce que le terme en 0 est nul, et parce que tout est positif, le terme général est positif. C'est juste à montrer la convergence de cette série. Donc, puisque le but n'est pas de la calculer ici, mais de faire de la convergence, on va se retrouver à essayer de comparer ce terme général à une série de Riemann. Sauf que ça ne sert à rien de comparer ce terme général à une série de Riemann si on ne comprend pas s'il va vite ou lentement vers 0. Donc, il faut d'abord essayer de simplifier un terme. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire de ceci? Qu'est-ce qui nous gêne, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne va pas nous poser de problème. Alors, la première chose, Arnaud, c'est l'équivalent de
Oui, alors on va le refaire au... là ici, on va le refaire à la main parce que c'est pas du cas par mien, c'est du cas par mika plus r moins 1, et faut faire gaffe à ce qu'on fait. Mais c'est exactement ça le premier terme qui nous gêne. Le reste, c'est de la puissance, donc c'est de l'exponentielle, ça reste, on va rien faire d'autre. Ça, c'est une constante. Attention, dans ce calcul, la variée dans la série, c'est k, donc p et r sont constantes. Ce sont des constantes multiplicatives, c'est pas gênant. Ça, c'est un polynôme de degré 1, on contrôle bien. Le principal terme qui nous gêne, c'est celui-là. Je vais déjà parler de celui-là. Ah, or, on va déjà aller regarder juste ce terme-là. Ça n'a rien de s'embêter avec le reste du moment. Ça me fait 4 plus r moins 20 factoriel sur k factoriel. Et si je fais la différence des deux, il me reste donc r moins 1 factoriel. Comme je l'ai dit, le r moins 1 factoriel, c'est une constante. Et maintenant, il ne faut pas se tromper. La méthode qu'on avait vue pour trouver un équivalent de cette aura, c'est on va simplifier le k plus r moins 1 ici. Factoriel avec le k factoriel, mais il faut savoir l'écrire comme enfin, ça écrit correctement. Ceci c'est k plus r moins 1 facteur de k plus r moins 2. Alors on va aller jusque k plus 1 et k factoriel et le tout divisé par k factoriel r moins 1 factoriel. Alors maintenant, l'avantage, c'est que l'avantage, c'est que les k factoriels se simplifient. Donc, le réexcellent plus gros, ça passera à l'écran. Ce qui me reste, c'est 4 plus r moins 1 fois 4 plus r moins 2. Et on va jusqu'à 4 plus 1. Question. Comment gère maintenant cette parenthèse? Deux idées, on a fini. Dans chacune des parenthèses, on factorise par 4. C'est l'idée, c'est le terme dominant, le reste, c'est le terme constant. On peut aussi, là, directement passer aux équivalents et faire un produit fini d'équivalents. C'est-à-dire que ça, c'est une constante, ça tend vers l'infini. Donc, en 4, on introduit chacune de ces parenthèses, tend, elle est équivalente à 4. On peut faire un produit fini d'équivalents. Je vais le faire directement plutôt que factoriser pour gagner une étape. Mais il reste le point le plus important. Combien y a-t-il de termes en K? Amen. C'est faux. Arnaud. Exactement. Comment tu l'as vu? J'ai fait une somme de 1 à la moins 1. Exactement. Alors, le bon moyen de ne pas vous tromper, c'est essayer de trouver un indice qui varie et qui prend toutes les valeurs sur toutes les parenthèses. Ici, j'ai un 1. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais le terme derrière ici, c'est k plus 2. Donc, j'ai un 2. Et ce nombre va augmenter, k plus 3, k plus 4, jusqu'à aller jusqu'à r moins 1. Donc, combien y a-t-il de termes? Autant que la somme des 1 qui va de 1 jusque r moins 1. Et c'est le nombre de termes, il y en a r moins 1. Donc, ceci, c'est équivalent à 4 envers plus l'infini. À k fois k fois k sur r moins 1 factoriel. Ici, il y a r moins 1 parenthèse, enfin, moins n moins 1 par terme, tout simplement à cause de ce qu'on a vu au-dessus, qui fait k puissance r moins 1 sur r moins 1 factoriel, par, si vous voulez expliquer, par produit équivalent. Il n'y a pas de fausse règle, on ne va pas vous embêter avec ça. Mais ça, il faut le comprendre. La factorisation par cas fait la même chose, mais ce qui est le plus problématique, c'est si vous trompez sur le nombre de parenthèses. Donc on est obligé de faire comme ça. Donc maintenant, notre terme va pouvoir se réécrire. Ça. Notre terme général, c'était k fois k plus r moins 1 parmi k, p puissance r, 1 moins p puissance k. Ah oui, j'ai oublié donc pour un profil. Notamment quand on a fait au tableau. Emma m'a dit hier, j'avais pas vu quand elle avait levé la main. Si je vois pas quand vous levez la main, vous avez le droit de dire « Monsieur, stop !» et je réponds.
c'est juste que j'ai pas vu. Ok. Vous avez tous le droit de le faire. Je vais dire en début d'heure et je vais dire autre chose en début d'heure. Oui, officiellement on est en 109 et c'est une grande salle pour la remédiation. Mais puisqu'on a installé ici, normalement il y a Paul après, on va voir, on va essayer de rester ici et voir si on peut l'avoir. Donc le terme général est maintenant équivalent qu'en 4 envers tous l'infini. Ah. J'ai un K devant que je n'ai pas encore simplifié. Ce terme-là, je viens de dire qu'il est équivalent à K puissance R-1 sur R-1 factoriel. Derrière, j'ai un P puissance R. Et là, j'ai un 1 moins P puissance K. Ok. Donc ceci, si je simplifie au mieux, je ne peux pas faire mieux que de dire que c'est du P puissance R R-1 factoriel. Derrière, là, j'ai du K puissance R si je regroupe mes puissances, et j'ai du 1 moins P puissance K. C'est-à-dire qu'on a bien quelque chose qui est de la forme. Alors, c'est moi, quand je vous le note, c'est ça que je le noterai comme ça. Ici, on a bien quelque chose qui est de la forme constante. Je rappelle que P et R ne dépendent pas de K, donc on est constant dans cet exercice. Alors là, c'est K. Général, c'est n, enfin, c'est la même chose que quand je vous dis c'est du n puissance alpha, ça c'est r, et derrière c'est du q puissance n. On ne peut pas faire mieux en termes d'équivalent. Donc soit vous comprenez ce qu'on peut dire dessus en termes de convergence, est-ce que ça converge sur cette diverse, si vous avez un a priori là-dessus, on peut essayer de comprendre comment on l'écrit plus facilement par la méthode générale, soit si vous avez aucune idée, maintenant vous pouvez par 1 sur n alpha, essayer de comprendre si ça converge ou si ça diverge. Ici, on va faire un peu plus simple que ça parce que notre but, c'est de montrer que ça converge pour montrer que notre calcul de l'espérance avant est bon. À quoi on peut se comparer pour montrer que ça converge? Oui, hein, sur la série de Riemann en n carré, mais ici en k carré. Donc, on va maintenant écrire donc. Ceci est équivalent en 4 envers plus l'infini, si je remonte ça, ça fait du k carré fois p puissance r, r moins 1 factoriel, k puissance r, 1 moins p puissance k. Il fait donc du p puissance r, r moins 1 qui est une constante qui ne sert à rien. J'ai du k puissance r plus 2, 1 moins p puissance k. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce terme-là? C'est faux. La factorielle est une constante, elle ne dépend pas de ça. Arnaud ? Du coup, une structure géométrique ? Oui. Du coup, c'est plus puissant, c'est entre le 0 et 1, du coup, c'est 0. Voilà. Ici, on a une suite géométrique qui l'emporte sur la puissance polynomiale. La suite géométrique a une raison qui est comprise entre moins 1 et 1, donc elle tend donc vers 0 et la limite de tout ça, c'est 0. Ceci, maintenant, tend quand k tend vers plus l'infini, vers 0, par croissance comparée, ce qu'on peut préciser si on veut, 1 moins p est compris entre moins 1 et 1. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça marche comme ça. Donc, je vais le réécrire comme ça juste pour gagner du temps. Je ne réécris pas son expression, mais c'était k fois la probabilité de x égale k est négligeable devant 1 sur k carré dans k tendant à l'infini. Avec la série pour k supérieur ou égal à 1 des 1 sur k carré qui converge, une série de Riemann. Par critère de comparaison sur les séries à terme général positif,
différence de x. Et je remets que ça vaut R fois 1 moins P sur P par le calcul précédent. Je ne sais pas, mais c'est par le calcul précédent. C'est pas ça qui assure de la valeur. Donc voilà pour cette binomiale négative. Emma. Alors, attends. Mais qu'est-ce que tu veux dire de ça ? Dire que ça tendait vers zéro ? Donc, tu es juste en train de dire qu'on a une série, à terme général, qui tend vers zéro. Donc, elle n'est pas grossièrement divergente. Ah non, la série des 1 sur n tend vers zéro en plus l'infini. Mais et convergente ou divergente ? Divergente. Tendre vers zéro n'a jamais assuré la convergence d'une série. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire tendre. Je dis. Ok. Est-ce que tu es d'accord que ceci, par contre, on a K qui tend vers plus l'infini, donc ceci est une constante. Si ceci est une constante, c'est plus de K. Ceci est un polynôme en K, c'est l'équivalent de mon n puissance R, c'est-à-dire que c'est n qui tend vers plus l'infini, mais R est X. Et maintenant, ça, c'est du Q, donc un plus X, et n qui tend vers plus l'infini. C'est la même chose que pour les fonctions quand j'ai une exponentielle. Ça, c'est du exponentiel n ln de Q. Ça, c'est comme une exponentielle, en termes de croissance comparée. Donc, c'est ça qui l'emporte, mais maintenant ça l'emporte, ça dépend de la raison. Si la raison c'est 4, ça tendrait vers plus l'infini. Si la raison ici c'est plus petit que 1, ça tendrait à 0. Ok ? Voilà pour ça. Bon, la binomiale négative générale, ils sont pas souvent si souvent que ça. Celle qu'on a fait avant, la binomiale négative à 2 piles, là, enfin, avec le n plus 1 qui arrive en facteur, celle-là elle est beaucoup, beaucoup. Classique. Je peux vous en trouver plein de sujets, parce que je vais distribuer qui parlent de ça. Voilà pour ça. Mais au moins, on l'a vu, on l'a fait. Après ça, je voulais faire, j'avais dû noter quelque part, je voulais faire l'exercice 10, parce qu'on a encore deux petites choses qu'on n'a pas encore refaites et qui sont vraiment. Enfin, un truc qu'on n'a pas encore vu et qui est classique, et un deuxième truc qu'on n'a pas encore refait, et qu'on a fait au moins une fois. On refait un peu de jour plus tard, encore un peu de jour. Donc, on le revoit, c'est pour moi. Allons-y. L'exercice 17. Alors, hop. Donc dans le sujet pour les calculs de somme, ils nous font admettre une formule sur les séries qui était votre question de cours sur la somme SR là, qu'on avait sur les séries. Pas très important. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la question 1B. Parce que ce raisonnement est assez classique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On désigne par alpha et P deux réels de 0,1. Ok. Et maintenant, un joueur participe à un jeu constitué d'une suite de manches. Avant chaque manche, y compris la première, il a une probabilité alpha de ne pas être autorisé à jouer. Et dans ce cas-là, il est disqualifié et c'est définitif. Joueur avec une proba alpha, il devient disqualifié. Avant même de commencer le jeu. Et ensuite, le même joueur a une probabilité P de gagner la manche. Et donc, il fait des parties. À chaque partie gagnée, il gagne 1 euro. À chaque partie perdue, il perd 1 euro. Si le jeu a commencé, le joueur joue jusqu'à ce qu'il soit disqualifié. Et on suppose que les manches sont jouées de façon indépendante. Ok, bon, on a toutes les infos qu'on veut. X, c'est le nombre de manches. Y, c'est le nombre de manches gagnées. Et V, c'est le gain.
Ok. Alors, on va faire la question 1A. Mais avant de faire la question 1A, parce que ce n'est pas celle-là qui m'intéresse, je voudrais qu'on fasse d'abord la question 1B qui revient à la même chose. On va vérifier par la 1A qu'on n'a pas dit de bêtises. Mais, alors, pour la 1A, je vais juste faire le début, et c'est juste ça qui m'intéresse, et je n'irai pas plus loin. X est le nombre de manches jouées. Il a une probabilité alpha de ne pas être qualifié pour la manche, et ce même avant la première partie. Quel est le X de oméga? Alors, oui, c'est grand N. Oui, il peut être disqualifié avant même la première partie, donc si c'est disqualifié, le nombre de parties jouées, c'est 0. Et après, c'est un nombre de parties, c'est un nombre entier. Ok. Alors maintenant, c'est là où le raisonnement est assez classique. Voilà une expérience un peu particulière. On a une variable à valeur dans grand N, et pourtant, dès qu'il est disqualifié, il est disqualifié définitivement. On va essayer de comparer ça à quelle loi de référence, à quel concept. Donnez. Voilà, le premier succès étant le succès, ça fait disqualifier. Sauf que ça ne peut pas être une loi géométrique, parce que le support, c'est n. Donc voilà pourquoi ça arrive souvent qu'il va y avoir des variables qui vont faire cet effet-là où elles ressemblent à une variable géométrique, mais le support ne va pas coller pour plein de raisons. Dans ce cas-là, ce qu'il suffit de faire, c'est de décaler la variable. Donc la question 1b, c'est on pose t qui vaut x plus 1. Et maintenant, on vous demande de reconnaître la loi de t. Et maintenant, t est une loi géométrique. Donc t égale x plus 1 est une loi géométrique de paramètres 3. Oui, c'est alpha ici dans les. Est une loi géométrique de paramètre alpha, car on répète une expérience de Bernoulli de paramètre alpha. Continue jusqu'au premier. Donc soyons clairs, et c'est juste ça. Alors ça c'est juste pour faire un transfert de loi. Donc la probabilité pour tout cas appartenant à n étoiles, la probabilité de t égale k, c'est alpha 1 moins alpha puissance k moins 1. Et si je fais un transfert de loi, ça nous donne quoi? Ça me donne que la probabilité de x plus 1 égale k, ça fait du alpha facteur de 1 moins alpha puissance k moins 1, j'ai rien changé. Si je rééquilibre, ça donne la probabilité de x qui vaut k moins 1. Et donc c'est ça ma question, c'est pas un transfert de loi, je vais faire 3 étapes, mais c'est juste ça. Est-ce que quelqu'un peut me demander pour tout n appartenant à grand N la probabilité de x égale n? C'est les alpha qui décalent.
Alors, 1 moins alpha, donc c'est ça. Ça fait du alpha 1 moins alpha. Mais c'est en scène, c'est juste, est-ce que le d'accord, c'est juste une renommée inverse. C'est juste renommer la lettre k moins 1 qui doit devenir la lettre n. Donc, alors, vous n'avez pas à faire ça. C'est juste pour vous montrer pourquoi la question 1a ne servait à rien. On va aller la faire, la question a, vu qu'il nous demande de la faire, on va aller la faire comme il le propose. Mais voilà la bonne démarche chaque fois que vous avez ce qu'on appelle une géométrie décalée. Et cette règle de la géométrie décalée, c'est un truc classique. C'est-à-dire souvent, on ne s'embête pas, on fait une épreuve comme elle vient, on donne le truc et on se dit « Ah, mais si on décale la variable, on a une géométrie. » Parce que ici, x compte le nombre de parties jouées. Ce qui empêche de jouer des parties, ce qui fait arrêter le nombre de parties, c'est disqualifié. Le paramètre de disqualification, c'est alpha. C'est pour ça. Parce qu'il y a deux parties à chaque partie qu'il joue, il peut être disqualifié, et après, quand il a joué la partie, il peut la gagner ou il peut la perdre. Donc il y a deux choses différentes, il y a des paramètres alpha, il y a des paramètres p. Ok, donc maintenant j'attaque la question 1a. Mais on doit retomber exactement sur le même résultat qu'ici. Ils disent dans le sujet, on pourra noter dès qu'à l'événement, le joueur ne joue pas la caillement. Donc je vais faire de la même façon. Pour tout n appartenant à grand N, ça veut dire quoi que x vaut n? Est-ce que quelqu'un peut me décrire l'événement x égale n? Donc le joueur est disqualifié avant le début de la énième manche à partir des événements DK. Léopold ? Alors on part pas, c'est plutôt on parle des événements. Alors DK, c'est ne joue pas la quatrième manche. Donc c'est avant de la jouer. Tenez. Alors, il y a un truc un petit peu bizarre, il faut juste réfléchir, c'est on fait des maths à l'oral encore une fois. Déjà, tu m'as parlé de plus entre des événements. C'est forcément des unions ou des intersections. Deuxième chose, tu m'as parlé de l'union de D1 jusqu'à Dn-1. Si D1 est réalisé, il est éliminé à la première partie, la variable, attendez. Ah oui, il faut décaler d'un cran quand même, j'avais pas pensé. Parce que si D1 est réalisé, notamment, ça c'est une bonne remarque. Si D1 est réalisé, le joueur ne joue pas la première manche. Dans ce cas-là, le nombre de parties jouées vaut 0. Il faut faire un tout petit peu attention à ça. Je vais réécrire les choses différemment, le pote. C'est des intersections. Alors, justement, avec ce que je viens de dire, il y a un petit décalage parce que si D1 est réalisé, il a fait 0 par. Il a fait 0 par tout. Voilà, c'est pas les qu'en Dn en bar et il faut réaliser Dn plus 1. Encore une fois, c'est la description de l'événement qui est la plus compliquée et qui fait tout. Ici, c'est donc il faut faire D1 bar, il n'est pas éliminé ici. On fait D2 bar, on fait Dn bar et on fait Dn plus 1. Dans ce cas-là, il est bien éliminé avant la n plus 1ème partie, il en a bien joué n. Et il me reste une ligne pour faire ce calcul. Comment on calcule? C'est marqué que les parties sont jouées de façon indépendante, par indépendance, et proba fixe. Ceci, ça me fait d'une probabilité en gros de D1 bar puissance n fois la probabilité de. Alors, la probabilité de Dn plus 1, si vous voulez, mais c'est aussi la probabilité de D1. Et donc, la probabilité de D1 bar, c'est 1 moins alpha puissance n, et la probabilité de D1, c'est alpha. Et on retrouve bien, dans les deux situations, exactement la même probabilité. Juste pour vous montrer la force de la question 1b, reconnaître une loi, dès que vous reconnaissez une loi de référence, à travers un calcul, quitte à la décaler, quitte à faire comme ça. Mais vous allez gagner un temps incroyable et parfois c'est pas mis dans le sujet de décaler plutôt que de faire des calculs de probas compliqués et de faire des calculs d'espérance et de variance que vous nous êtes demandé derrière. Arnaud, est-ce que par exemple là on aurait pu voir qu'on pourrait calculer comme ça et sauter la A, passer à la 1B et puis revenir à la 1A et on dit on a. On...
via la 1B, enfin, oui. Dans ce cas, il faudrait carrément ouais, la 1B avant et dire. Je pense que oui, je pense que je. Il y a quand même l'étape où ils vous disent qu'il faudrait considérer les événements DK, donc à la limite, sans faire le calcul de proba, mais ne serait-ce que écrire l'événement X égale N juste comme ça et dire ça mène au même résultat, enfin, ça mène au résultat derrière, je pense que là, on ne vous dira rien. C'est-à-dire que là, on doit sûrement mettre des points, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont se tromper d'un cran ici, et il va y avoir des points mis non en bas sur le barème à cause de ça. Bon, voilà pour ce que je voulais faire, mais on n'a pas fini, il y a une deuxième partie. C'est que maintenant, surtout à partir de la 1B, encore une fois, j'oublie la 1A, on me demande de calculer l'espérance et la variance de X. Et on me demande l'espérance et la variance de X. Je vais garder ça dans un coin. Et ça vaut X plus 1 et ça suit une loi G alpha. Comment vous allez me calculer l'espérance de X ? Alexandre ? Oui, voilà, c'est du transfert de loi, c'est exactement ça. L'espérance de X, c'est l'espérance de T moins 1. Alors, c'est une loi qui existe car la loi géométrique admet espérance et variance. J'en profite pour dire variance, comme ça j'irai un peu plus vite ensuite quand ils vont me demander la variance. Ah, donc l'espérance de x et l'espérance de t moins 1. Ça fait donc l'espérance de t moins 1 si vous connaissez votre linéarité de l'espérance. Et l'espérance d'une géométrique, c'est marre. Oui, parfait, 1 sur P traduit ici dans l'expérience, ça fait du 1 sur alpha. Tout à fait. Donc ça fait du 1 sur alpha moins 1. Si on veut le réécrire, ça fait du 1 moins alpha sur alpha. De même, la variance de x, c'est la variance de t moins 1. Qui connaît bien ces propriétés de variance ? Léopold ? Ouais, c'est les deux. Je rappelle que la variance mesure la dispersion autour de la moyenne. Si on décale la moyenne de 1, on n'a absolument pas modifié la dispersion autour de la moyenne. On a décalé la moyenne. Donc v de t moins 1, c'est v de t. Et la variance d'une géométrie, 1 moins p sur p carré. Alors, on va continuer dans cet exercice. Alors, la question suivante, c'est déterminer pour toute entité naturelle n la loi conditionnelle de y sachant x égale n. Donc, en gros, ils veulent pour tout cas. Alors, on va réfléchir avant d'aller plus loin. C'est quoi le support de la variable y ? J'ai effacé mes variables, mais y, c'est le nombre de parties gagnées. Puisqu'il peut jouer un nombre de parties dans grand N. Ouais, c'est grand N. Il va gagner moins de parties qu'il en joue, mais comme il va en jouer dans grand N, il va en gagner plus que grand N. Donc Y de oméga, c'est grand N. Encore une fois, loi conditionnelle, c'est plus au programme. Ce qui vous demande, c'est de déterminer quel que soit K appartenant à grand N, quel que soit N appartenant à grand N, appartenant à grand N, ils veulent connaître la propriété sachant x égale n
Donc on veut la probabilité, sachant qu'on a joué N parties, d'en gagner K. Alors c'est juste, il ne faut pas que vous répondiez. Qui pense savoir c'est quoi cette probabilité? 1, 2, 3, 4. Je veux que tous vous sachiez le faire. On sait qu'on va jouer N parties, et je veux la probabilité d'en gagner K. 5 avec Arnaud, 6 avec Tanguy, 7 avec Raphaël, Roman 8. Ah, moi, je l'ai déjà dit, c'est bon. Le bol de 6, je le sais. Je joue autre. C'est compliqué, hein. Vous imaginez. C'est sur N partie qu'il faut en gagner K. Il y a un nombre de possibilités hallucinantes. Et pour ça, je vous demande tous de savoir le faire, parce que c'est simple. Je râle sur une loi depuis le début de l'année. William, tu l'as? C'est quoi? Oui, c'est une binomiale. Alors maintenant, plus méchant, une binomiale de quel paramètre? Oui, P et l'autre paramètre. Ah non, le binomial, ça a deux paramètres, N et P. Et ici, le P, c'est P. Et le N, c'est N. Voilà, c'est pas très compliqué, mais trois fois, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut préciser les paramètres de binomial. Donc, ce qu'ils veulent vous faire dire, c'est que la loi de Y, sachant X égale N, c'est une binomiale de paramètres LP. Ah, donc ce qui veut dire que la probabilité, ça fait K parmi N, B puissance K, 1 moins B puissance N moins K, si K appartient à 0N, et ça vaut 0 sinon. Et l'argument, si vous voulez justifier, on répète. La probabilité de faire K succès dans la répétition de N expérience de Bernoulli indépendant de N paramètre P. C'est ça qui justifie que cette loi va être une binomiale. Donc soyons clairs, on a déjà fait du mélange de binomiale et de loi de Poisson dans la semaine. Là, on va faire un autre exercice, on va mélanger une loi binomiale avec une loi géométrique décalée d'un cran. Et donc, on va voir qu'on peut encore faire les calculs de loi, faire les calculs d'espérance et faire les calculs de variance. Maintenant, il n'y a plus de raisonnement. Enfin, si, il y a un dernier raisonnement de problème, il n'y a plus de calcul de somme. Question pour faire 2B. On nous demande la loi de Y. C'est bon, ou il faut encore le répéter? Allez. Sur le SCE lié à. Voilà. Donc on cherche la probabilité de Y égale K. On va faire une formule des probabilités totales sur le SCE X égale N, N appartenant à N. Il va donc me faire une somme pour n égale 0 à plus l'infini des probabilités sachant x égale n de y égale k fois la probabilité de x égale n. Alors on ne peut pas continuer, notre probabilité conditionnelle elle a deux expressions, ce qui fait que forcément quand je vais faire chal, je vais avoir une double somme. Je fais les bornes compliquées, ça va de 0 à plus l'infini, des bornes simples. Et où est le 0? Le pôle? Le 0 est à droite. Et les bornes, Emma? Ah.
Je vérifie, c'est non nul dans. Non, je me suis fait avoir. Ouais, je me suis fait avoir. Ouais, je suis pas d'accord avec le 0 en fait. Ouais, Emma? Je suis d'accord, je me suis fait avoir, mais je suis d'accord. Alors, on va le refaire. Comme quoi, je me suis fait avoir à l'oral. J'ai mon rouge qu'on ne verra pas à l'écran, c'est génial. J'ai plus rien d'autre. Alors, j'avais fait exprès en plus, parce que je ne pensais pas me faire avoir à l'oral. J'ai fait exprès, c'est que je vous l'ai toujours dit, c'est compliqué de le voir comme ça, il vaut mieux essayer d'écrire une inégalité qu'on peut lire dans les deux sens, entre guillemets. Donc ceci, j'avais fait exprès de ne pas le traduire, ça se traduit par 0 plus petit que k plus petit que n. Maintenant, cette probabilité non nulle, qu'est-ce qui varie, qu'est-ce qui est fixe? C'est n qui varie et k est fixe. Donc c'est non nul quand n est plus gros, est supérieur ou égal à k. Donc ce qui veut dire que si je fais une somme de n égale k jusqu'à plus l'infini, ici c'est non nul. Et donc forcément c'est 0 et plus que moins. Non, je pense pas. J'ai trop fait confiance à Léopold, ça n'arrivera plus. Et donc maintenant ça fait du k parmi n, p puissance k. 1 moins p puissance n moins k, ça c'est pour ma loi conditionnelle et la loi de x derrière. Je vais la réécrire ici. Alors, c'est du alpha. A moins alpha puissance n. C'était ça la loi de x. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette somme? Alors, c'est là où il faut reprendre le sujet. Parce que je me suis dit, mince, on va la calculer cette somme. Oui, on va bien la calculer, mais je ne sais pas la calculer, moi. Mais heureusement, le sujet commence parce que c'était un sujet en deux parties. La première partie, le but, c'était de calculer une autre somme, la somme des r parmi n x puissance n moins r. Et ça, ça vaut du 1 sur 1 moins x puissance r plus 1. Donc le but, c'est de faire apparaître quelque chose qui s'écrit en la variable ici, comme le n vaut k. Il faut du k parmi n et il faut du x puissance n moins k. Oui. Du coup, la p puissance k, il faut dans k. Oui. Tu as ça. Oui. Mais j'ai quand même un problème, c'est qu'il faut un seul x puissance n moins k. En gros, j'ai gagné. Quand là-dedans, j'ai mis un seul x puissance n moins k. Et là, j'ai un problème, c'est que j'ai dû augmenter de puissance n moins k et j'ai dû augmenter de puissance n. Mais... Oui, en gros, l'idée, en détaillant un petit peu plus, mais pour le voir, on veut faire apparaître ça, on ne l'a pas, on le force à apparaître. Ici, je force... n moins k à apparaître. Si je force la puissance n moins k à apparaître, je dois faire du n moins k plus k. Maintenant que je l'ai forcé à apparaître, je peux sortir tout de ma somme. Donc ceci, on a dit qu'on pouvait sortir quoi? Du p puissance k, ça ne dépend pas de n. Alpha, ça ne dépend pas de n. Derrière, il y a la somme pour n égale k à plus l'infini des k parmi n, et on va avoir le droit à mettre un 1 moins p 1 moins alpha puissance n moins k. Et donc ceci par le résultat de la partie 1, qu'on n'a pas fait aujourd'hui mais qu'on avait fait l'autre fois. Ah, je l'ai pas senti devant, oui, j'ai oublié de le sentir. Pardon, merci. Un moins alpha puissance k, et derrière j'ai ma partie 1, qui fait du alpha p puissance k, 1 moins alpha puissance k, le tout divisé par 1 moins
1 moins P, 1 moins alpha, le tout à la puissance K plus 1. Je vais le réécrire légèrement autrement, ce truc-là, juste pour avoir des calculs plus simples après. La question d'après me demande de calculer l'espérance puis d'obtenir un certain résultat pour la variance. Alors, on va mener les calculs, mais si on les mène avec autant de termes, autant de variables, autant de trucs différents, ça va être lourd. Est-ce qu'on ne pourrait pas regrouper toutes les puissances K en une seule? Alors, on va se donner, en fait, là, c'est un réflexe de Google. Si maintenant, ça, c'est la loi, on va rajouter un K pour calculer l'espérance. Vous le sentez, vous lancez dans le calcul avec autant de lettres différentes pour calculer l'espérance d'un truc pareil. Donc, c'est vraiment un conseil. Vous avez le droit de vous donner des notations du moment qu'à la fin de la question, vous revenez aux notations du sujet. Ici, on va le faire parce que, même moi, j'ai vraiment pas envie d'aller faire calculer l'espérance. Donc, comment je vais le faire? Je vais déjà aller poser moi une, deux lettres. J'ai pas envie de simplifier ça pour le moment. On va voir si on a comment on a besoin de le simplifier à la fin et ce que ça donne comme valeur. Mais ceci, j'ai envie de lui donner une lettre. Je vais l'appeler B. C'est pas bien posé dans le privé. Ce nombre-là. Et une fois que j'ai fait ça, je vais regrouper mes trois puissances K ensemble et je vais appeler cette nouvelle lettre que je vais regrouper mes puissances K ensemble. Je vais l'appeler C. Et maintenant, j'aurai des calculs beaucoup plus légers pour mener mes calculs avec des calculs. Avec la complexité de ce qu'on fait d'habitude. Donc ici, avant de continuer, je vais dire, je pose. B, c'est mon 1 moins 1 moins P, 1 moins l'alpha. Ce nombre-là. Et C, c'est mon P, 1 moins alpha sur B, sur le nombre que j'ai mis au dénominateur. Dans ce cas-là, ceci peut se réécrire alpha, C puissance K sur B. Il n'y a rien d'autre que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma notation? C'est juste pour m'alléger les notations. Je ne peux pas faire beaucoup, beaucoup de ça. Alors justement, non, attention, je peux le faire en deux temps. Je peux rajouter une ici. Ça va me faire du alpha P puissance K, 1 moins alpha puissance K, et en dessous le B, je vais l'écrire B puissance K fois B. Comme ça, quand je vais tout regrouper sur la puissance K, il va bien me rester un B qui traîne et un C puissance K. Comme ça, j'ai vraiment qu'un seul terme qui dépend de K, je vais laisser dans ma somme pour faire des calculs derrière. Ok ? Bon, allons-y. Allons-y, on nous demande donc c'est quelle question? C'est la 3, calculer l'espérance de Y. On va déjà dire que c'est équivalent à ce que la série converge. Car elle est à terme général positive. Et on va donc se lancer dans le calcul de la somme partielle. L'espérance de Y, bon, quand même de parler de l'espérance de Y, la somme pour K égale 0 à grand N des K fois la probabilité de Y égale K. Alors, avec mes notations, ça prévu du alpha sur B, C puissance K. Comment j'ai mis un petit N? Ah, c'est un grand N dans la ligne. Comment on veut nous calculer ça? On le calcule, c'est juste que c'est très très loin. La notation, mais là, c'est classique, c'est connaître.
c'est la dérivée de la géométrique. Par contre, j'ai bien le facteur K devant, donc je ne veux pas faire de décalage dans le Stroman. Ouais, on a déjà le K qu'il faut, on n'a pas la puissance K moins 1, donc comme tout à l'heure, comme on a fait là. Ici, on va faire moins 1 plus 1. Enfin, on force ceci à apparaître. Donc ceci, ça va me donner, je dois ressortir un alpha, un C, un B, et derrière, je vais avoir, et une autre remarque que je peux faire, c'est que la somme peut commencer à 1, parce que c'est nul en 0. Et donc ceci, ça me fait cette somme-là, des K fois C puissance K moins 1, qui tend, quand N tend vers plus l'infini. Ah, bah, alpha C sur B fois 1 sur 1 moins C au carré. Alors, je le dis juste, on ne va pas vous embêter à vérifier, mais il n'y a pas de doute. Hop, aussi, c'est pour B qu'il n'y a aucun doute. B, il est clairement compris entre 0 et 1 parce que B, c'est du 1 moins. Enfin, c'est ceci est entre 0 et 1, ceci est entre 0 et 1, tout est entre 0 et 1. Je fais 1 moins nombre entre 0 et 1, c'est un nombre entre 0 et 1. Ah bah non, il faut que je vérifie parce que je ne sais pas si j'ai le droit de passer à la limite comme ça. Enfin, vu que l'espérance, vu que c'est pas grave, admettre une espérance et c'est marqué dans le sujet, il n'y a pas le choix qu'il soit entre 0 et 1. Mais ça ne me paraît pas du tout évident que le nombre soit entre 0 et 1. Je vérifie. Car C, donc je le dis, car C appartient à 0,1, et je le dis en effet. Le fait qu'il soit positif, ça c'est évident. C'est un quotient de nombre positif, en effet, c'est strictement positif, comme quotient de nombre strictement positif. Par contre, le fait que ce soit plus petit que 1, je vais devoir écrire ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je vais traduire et je vais sûrement arriver à un truc toujours vrai. Sinon, je vais avoir un problème. Allons. Ah, mince. Je vais le faire dans un coin. C'est strictement plus petit que 1. C'est équivalent à ce que P sur 1 moins alpha sur B, strictement plus petit que 1. C'est équivalent à ce que P 1 moins alpha plus petit que B. Mais B, je vais le réécrire. B, C. C'est équivalent à dire que ceci est plus petit que 1 moins le pourquoi c'est évident. Alors comment vous pouvez le calculer? Moi je vois comment pour les simplifier pour pouvoir trouver un truc évident. Par 1 sur 1 moins alpha. Ah! Ah oui, tu multiplies par 1 sur 1 moins alpha et comme ça tu peux venir un P de ce côté-là. Ça marche aussi. Non, ça marche. J'ai l'impression que ça marche moins bien. Là, vers du 1 sur 1 moins alpha, je ne sais pas ce que je vais en faire. Exemple. Comment tu aurais dû moins P sur 1 moins P en faisant ça pour les années? Bon, les enlève. On les barre? Non, on barre pas et on divise, et quand on divise, il y a 1 sur 1 moins alpha. Pardon? On fait plus, on s'entourait par 1 moins alpha, et après on fait P, 1 moins P, et après 1 moins alpha, ça va faire 1, c'est 0 fois 1. C'est vrai. Une fois qu'on arrive à plus de 1 moins alpha, donc on pourra dire instantanément que c'est toujours vrai et donc le début est toujours vrai. Oui. La meilleure idée pour moi ici, c'est de voir qu'il y a deux termes en 1 moins alpha, tout à fait d'accord avec vous, mais plutôt de diviser et de se tromper avec ça, le but est plutôt de les passer du même côté et de factoriser. C'est une bien meilleure stratégie pour ne pas dire des bêtises. Et pourquoi du coup, c'est pas
stratégie aussi. Je n'y avais pas pensé. On développe juste cette parenthèse-là avec le moins là-dedans. On développe ceci. Et ça va nous faire apparaître un plus P, un moins alpha qui apporte le simplifié des deux côtés. Et on va se retrouver avec un nombre à droite qui est plus grand que 0. Et ça va marcher aussi. Ça va faire comment ? Je développe juste ça ou je passe de l'autre côté ? Je développe comment ? Passer de l'autre côté ? Donc ça me fait du P1 moins alpha plus 1 moins P1 moins alpha plus petit que 1. Qui me fait du 1 moins alpha P plus 1 moins P plus petit que 1. P plus 1 moins P ça fait 1. Donc ça, ça fait 1 moins alpha plus petit que 1. Toujours vrai. Mais j'avoue que c'était pas évident. J'ai dit que c'était évident au tout début. Mais parce que je pensais à B et que je ne pensais pas à C. Soyons clairs, vu un truc comme ça, je suis sûr et certain que dans la question, il y a au moins un point, voire deux, pour avoir pu penser à justifier que C était entre 0 et 1 ou moins 1 et 1. C'est... Ah, parce que justement, c'était pas évident. À première théorie. Donc, on a le droit d'appliquer ça, donc ceci tend vers ça, et donc j'ai l'espérance de Y. Ah. Je vais passer ça, je vais remettre là-haut. L'espérance de Y, je suis tombé sur alpha C. B sur 1 moins C au carré. Ok. Bon, ben passons maintenant, il nous demande la variance. Encore une fois, aucune indication d'un sujet pour la variance. Puisqu'on est tombé sur la dérivée de la géométrique pour l'espérance, quel calcul on va utiliser pour faire le moment d'ordre 2, entre guillemets ? La dérivée seconde de la géométrique, puisque la dérivée seconde de la géométrique, elle est en kk-1, il vaut mieux calculer l'espérance de y, y-1, ça vous fera gagner du temps, vous aurez moins de problèmes. Ok ? C'est vraiment pour ça que je vous l'ai donné comme méthode, c'est parce que c'est un réflexe qui sert encore plus maintenant qu'on a des séries infinies, mais ça sert vraiment assez fréquemment. Donc allons-y. L'espérance de y, y-1. Je vais dire que c'est la limite quand grand N tend vers plus l'infini de la somme pour k égale 0 à grand N des kk-1 et ma proba, ça c'était alpha c puissance k sur b. Et ici, pour une fois, je l'écris comme ça, tout étant positif, cela revient. À l'absolu convergence. Plutôt que de l'écrire à chaque fois, je le remets. Pour ça, j'ai bien dit, pour faire de la variance, enfin, pas un moment d'ordre 2, j'ai besoin d'absolu convergence, oui, je me lance direct dans le calcul. Je vais continuer mon calcul. On fait comme tout à l'heure, sauf que la dérivée seconde, on doit faire apparaître du k-2 plus 2 et que la nouvelle somme va commencer à 2 parce que nul en 0 et 1. Donc ça fait de la somme pour k égale 2 à n. Alors je peux peut-être sortir des termes. Je pouvais sortir du coup un alpha, un c carré, un b. Et il me reste du k, k moins 1. C puissance k moins 2 qui tend maintenant quand grand N tend vers plus l'infini vers du alpha c carré sur b fois 2 sur 1 moins c au cube. Non, dès que tu utilises ta limite, non, ce serait pas choquant. Mais vraiment juste pour coller au maximum du programme et des choses comme ça et vous donner des bons réflexes. Parce que ces réflexes-là, autant ici, c'est absolument pas choquant,
de ne pas commencer à k égale 2. Mais quand on fait des factoriels et des simplifications de factoriels, un factoriel moins 1, là, c'est choquant et là, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc, c'est plutôt pour ce genre de raison que j'essaie de le faire tout le temps. Sur du géométrique, il n'y a aucun problème. Voilà. Ah, c'est, je fais du zèle de professeur. Donc, on était où ? Ça, c'est l'espérance de y, y moins 1. Je redétaille le fait que l'espérance de y carré, c'est donc l'espérance de y, y moins 1 plus l'espérance de y rééquilibre après, mais là, je vais faire en premier. Et donc, ça me donne que c'est du alpha c carré sur b. 2, 1 moins c au cube plus, vous avez quelque part en haut, alpha c sur b, 1 moins c carré. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais devoir faire ça, moins l'espérance au carré, je vais essayer de me simplifier au maximum la vie, donc je vais essayer. Là, maintenant, je sais qu'il faut que j'essaye de faire, de voir les simplifications. Donc, ceci, je vais commencer par le factoriser au maximum, pour voir ce qui me reste derrière et comment je vais pouvoir simplifier les choses. Il y a plein de facteurs communs. Raphaël ? Alpha C sur B, ouais, on ne peut pas faire mieux que ça, mais ça va faire du alpha C sur B, 1 moins C au carré, qui va me rester si je fais ça, c'est du 2C sur 1 moins C, plus 1. Ça, je le mets au même dénominateur. Je le mets maintenant au même dénominateur. Ça va me faire alpha c sur b. Je le mets direct devant, c'est du 1 moins c au cube, parce que si je le mets sur le même dénominateur, c'est pour le passer devant. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire du 2c plus 1 moins c. Ça va faire du 1 plus c. Voilà ce que j'ai. Ça, c'est, je ne peux pas faire mieux pour mon espérance de y2. Donc maintenant, je peux essayer de faire apparaître ma variance. Ma variance de y, c'est l'espérance de y2 moins l'espérance de y au carré. Ça me fait donc du alpha c sur b, 1 moins c au cube, facteur de 1 plus c, et il faut mettre l'espérance au carré. L'espérance au carré, c'est du alpha c carré, le alpha carré, b carré 1 moins c carré. Pouvoir mettre en facteur encore une fois alpha c b 1 moins c au cube c'est plus bien plus c qui va me rester du moins alpha c 1 moins c bien. Alors, maintenant, je vais revenir à mon sujet. Il faut que j'arrive à comprendre comment ils obtiennent leurs termes. Il y a des termes en P, des termes en 1 moins alpha qui peuvent arriver en facteur, et des termes en P plus alpha moins P alpha. Il va falloir que je comprenne un peu mieux ce qui se passe sur ces termes. Donc là, je peux essayer de remettre au même dénominateur, de simplifier un peu ça, mais... Je pense que pour arriver à la variance, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Ce qu'il faut, c'est que je revienne à mes notations en C et que je les comprenne, et en B et en C et que je les comprenne un peu mieux. Donc, B, c'était 1 moins alpha, 1 moins P. D'accord avec ça? Si je développe ça,
1. Alors, 1 moins P moins alpha plus alpha P. Donc P du P plus alpha moins alpha P. Donc B, c'est le fameux terme qu'ils ont en P plus alpha moins P alpha. Et eux, ils ont le numérateur et moi, pour le moment, j'ai plutôt le dénominateur. Ça me posait des problèmes. Ça, c'est B. Et maintenant, C. Ah, mais dans C, il y a du B. Alors je l'ai plus C au tableau, est-ce que quelqu'un peut me redonner ce que j'avais mis dans C? Ça doit être, il y avait du B au dénominateur. Et... donc j'ai bien en haut, j'ai bien du P à moins alpha. Donc ici j'ai bien du P à moins alpha. Donc je simplifie le reste. Alors, comment je simplifie ça? Ah, j'ai bien remarqué que le B c'était le facteur que je voulais, ça je l'ai, le C c'est ça, bah il n'y a pas. Je vais peut-être quand même continuer un petit peu mon calcul et mettre tout au même dénominateur pour m'en voir un peu mieux ce qui se passe. Si je mets tout au même dénominateur, ça va me faire ça. Dénominateur, je vais ramener un terme en B et je vais ramener un terme en A moins C. Ça me fait du B carré à moins C4 devant. Ah, je commence à voir des choses un peu. Pardon, ça fait ceci en facteur. J'ai une identité remarquable qui apparaît. Ça me fait du 1 moins C carré. Et là, il va falloir que je simplifie les termes. Hein. Je vais pas avoir trop de choix. Alors, j'ai plusieurs endroits, j'ai du 1 moins C qui apparaît. Je peux peut-être essayer de simplifier ce que c'est 1 moins C. Maintenant qu'on l'a reçu, B, c'était P plus alpha moins alpha. Donc, 1 moins C, c'est P plus alpha moins alpha P, moins P plus P alpha. 1 moins C, ça fait alpha sur B. Donc en fait, ça va beaucoup, beaucoup simplifier les calculs. Je suis même pas sûr que j'ai besoin de passer en 1 moins C carré maintenant. Je vais peut-être le laisser ici en 1 moins C facteur. J'ai fini, à mon avis, pour rien. Donc, cette horreur. Maintenant que je sais que 1 moins C, ça fait alpha sur B, je vais faire du alpha C sur B carré facteur de alpha sur B à la puissance 4. Ici, j'ai du B. Alors, je peux peut-être calculer un plus C, à mon avis, ça va simplifier aussi, mais mon 1 moins C va me faire du alpha sur B. Ah, oh, bah non, j'ai même pas besoin de calculer le 1 plus C. Parce qu'ici, je vais me retrouver avec du 1 plus C alpha moins alpha C.
Et donc 1 plus C alpha moins alpha T, ça va juste me faire du alpha. Quasiment fini. Ça va me faire du alpha C. Les deux vont simplifier, ça va me remonter un B carré en haut. Je vais avoir un alpha 4 en bas. Et là-dedans, il va me rester que du alpha. Donc, ça me fait du CB carré sur alpha carré. Donc ça, c'est complètement équivalent. Ça me fait du P1 moins alpha sur B alpha carré fois B carré. Ça me fait du P1 moins alpha sur alpha carré B. Ça me fait du P1 moins alpha, P plus alpha moins alpha B sur alpha carré. Posez pas de lettres. Traînez des alpha plus P, des P moins alpha tout le long et voir des simplifications, ça a l'air compliqué. Déjà comme ça, on a souffert pour les voir. Mais, quelque chose, je n'ai pas fini ma question. Non, mais pour une seule raison. J'ai fait exprès quelque chose sans vous le dire, parce que je voulais être sûr que je tombais sur ça à la fin. Mais en l'état, je n'ai pas tous les points à la question. Enfin, quoi qu'en même temps, vu le nombre de personnes qui auront dû aller jusque-là, je pense qu'on est quand même gentil, mais on doit quand même enlever un bout de point, parce que c'est quelque chose qui est mal fait. Arnaud, tu as une question ? Si on pose des lettres, ouais. Et qu'après, on les lettres comme ça, on ne voit pas d'implication. Je sais pas, une partie clairement, vu qu'il y a des points de simplification, mais tu as quand même, vu que c'était la série dérivée de la géométrie, enfin, tu vois ce que je veux dire, il vaut mieux ne pas faire d'erreur de calcul et avoir bon avec des autres lettres que, et pas avoir les simplifications que faire des calculs qui n'ont pas de sens pour essayer d'arnaquer. Donc non, ça vaut plus de la moitié des points, clairement. Quelle proportion derrière, ça dépend de du nombre de points qu'on attribue à la simplification, ça dépend du nombre de points. Il y a un truc que j'ai pas fait, que je dois absolument faire si je veux être sûr d'avoir eu 100% des points. C'est bête, c'est plus grand chose, mais je l'ai pas fait. Parce que j'attendais de vérifier que mes calculs étaient bons. Et maintenant, je suis sûr qu'ils sont donnés. On sait qu'elles existent. Alors oui, la variance existe grâce à ça. C'est plutôt que l'espérance. Nulle part, je l'ai écrite avec les notations du sujet. J'ai gardé mes C et mes B parce que j'étais pas sûr de... Enfin, il fallait que je vérifie que mes calculs tournent bien jusqu'au bout. Et que j'ai les bons résultats pour être sûr que je n'avais pas fait d'erreur de calcul et que je dois. Ça ne sert à rien de passer 3 minutes à simplifier l'espérance si votre variance n'est pas bonne et que vous devez refaire les deux calculs derrière. Donc maintenant qu'on sait que la variance est bonne, je vais écrire l'espérance. Oh. Alors, est-ce que je l'ai encore au tableau de barre, je ne l'ai plus nulle part. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler mon expression d'espérance en BC? Il n'y a pas du 1 plus C, c'était pas du 2 plus 1 en le bar? Non. Ah, c'est le carré. Donc c'est du alpha C sur B et. Ah, il y a du 1 moins C. C'est ça? Ah, bah il faut que je reprenne ce que j'ai compris. Ce qui m'a tout fait comprendre, c'était quoi? 1 moins C, ça fait alpha sur B. Ici, ça se revoit comme alpha C sur B fois alpha sur B au carré. Que je vais me retrouver avec écrit comme ça CB sur alpha. Ah. Oui. Et C, ça va aller alpha A moins P sur B soit B sur alpha. Alpha,
Non, C, c'était 1 moins 1 fois 1 moins 2. C'est bien ça, hein. C, c'était 1 moins alpha, 1 moins B sur B. C'est P 1 moins alpha. Pardon. Ok. Bon, ben maintenant, je vais le P. 1 moins alpha sur alpha pour les séquences. Je suis un peu plus rassuré, parce que là, mon 1 moins B est vérifié. Demander qui n'est pas le cas, c'est pour ça que je me posais la question, ça doit être bon en plus, déjà les quatre préparations sont bonnes, c'est bon, si j'ai un assez bonne lettre, mais je me demandais si ça ressemblait, quel est le nombre de parties moyens qu'on a fait, ça ne marche pas, sauf si les variables sont indépendantes, mais ça va être la probabilité de gagner une partie, fois le nombre de parties qu'on va jouer en moyenne, si c'est indépendant. La probabilité de gagner une partie, c'est fait, on l'a bien mis en facteur, sauf que le nombre de parties qu'on va jouer en moyenne, c'est la moyenne de notre variable x, et on était tombé sur ça tout à l'heure. On était tombé sur du 1 moins 1 sur alpha, qui fait du alpha moins 1 sur alpha. Non, c'était l'inverse, c'est du 1 sur alpha moins 1. Donc c'est bon. On avait trouvé un moins alpha sur alpha. Donc ça, c'est la probabilité, enfin c'est l'espérance de gagner le nombre de parties jouées, et ça, c'est l'espérance de gagner une partie. Donc l'espérance du nombre de parties gagnées, c'est le produit des deux. Ces deux variables, c'est pas le nombre de parties jouées. Donc puisque l'espérance du produit en fait une différence, ça va être indépendant. Ça paraît pas indépendant, c'est pas indépendant. Ah, c'est étrange. Conséquence, je sais que si elles sont indépendantes, c'est marrant, bah, c'est un couple de variables où l'espérance n'a pas défini la variable de 1 sur 2. On a cette règle sur l'espérance qui marche, alors que les variables sont pas indépendantes, c'est très particulier. On a fait les calculs horribles. Alors soyons clairs, je pense pas que vous arriviez tous à me faire la balance et l'espérance de ce calcul. Au moins, voir les géométriques, c'est déjà pas mal. Mais par contre, c'est pour vous montrer encore une fois ce genre de choses-là. C'est pas parce que vous avez abandonné à la question 3, parce que les calculs étaient horribles, qu'il faut abandonner les questions 4, parce qu'elles sont beaucoup plus simples. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas fait cette semaine, la question 4A. C'est faire du lien déterministe, entre guillemets, entre des variables aléatoires. Est-ce que quelqu'un, là, c'est juste, est-ce que vous avez compris l'expérience, je ne peux pas le faire à votre place. Quel est le lien fonctionnel entre le gain x et y? On gagne 1 euro chaque fois qu'on gagne une partie. Et on perd 1 euro chaque fois qu'on perd une partie. Ça dépend clairement du nombre de parties jouées et du nombre de parties gagnées. Comment on calcule le gain? Marois? Je détaille un peu l'idée, mais c'est comme un calcul d'espérance, mais sur les variables de gain. On gagne 1 euro chaque fois qu'on gagne une partie. Donc on gagne 1 euro chaque fois qu'on a fait y. Ensuite, c'est comme ça. On perd 1 euro pour toutes les autres parties. Les autres parties, c'est ce que souvent vous, étudiants, vous mettez mal y bar, ce qui n'a pas de sens. Mais sur x, sur le nombre de parties jouées, y bar, c'est ceci. Ça fait y moins x moins y, ça fait 2y moins x. Donc c'est ça, c'est cette question-là, c'est juste ça. En déduire l'espérance de g, ça fait 2 fois.
fois l'espérance de y moins l'espérance de x, qui fait du 2. Je simplifie directement, je viens de remarquer que c'était la même chose juste avant, mais ça fait ça. Il paraît assez logique. Pourquoi c'est logique? Pourquoi le fait que j'écrive avec un 2p moins 1 facteur, c'est logique, ce calcul d'espérance de gain. Il gagne un euro chaque fois qu'il gagne une partie. Il perd un euro chaque fois. Enfin, il gagne un euro chaque fois qu'il gagne, pardon. Et il perd un euro chaque fois qu'il perd. À quelles conditions le jeu est favorable? Ah oui, sinon il joue pas, vous êtes d'accord sur le principe. Donc l'espérance de gain est positive, la probabilité de gagner une partie est plus grande qu'un demi. Si elle est plus petite qu'un demi, l'espérance de gain est négative, c'est pas rentable. Ce qui paraît cohérent quand on réfléchit à l'expérience. On ne demande pas plus. Alors, il faut faire l'espérance d'un produit maintenant. C'est vraiment proche de le faire, celui-là. Et en déduire la variance de G. Est-ce que c'est long ou est-ce que. Elles ne sont pas indépendantes, ces variables, donc il faut devoir faire le calcul à double somme, mais je ne voulais pas encore fait faire de l'espérance de produit. Je voulais absolument faire le minimum de variables, mais. Quelle heure? 24. Je mets en pause l'exo pour les questions CD. Non, mais j'ai peur de m'embarquer dans un calcul un peu long alors que je veux faire encore autre chose qui me paraît plus intéressant qu'on ait revu cette semaine. Je fais mon petit exo intermédiaire et je reviens dessus. Ça m'intéresse de faire quand même un calcul de somme double infinie, entre guillemets, l'espérance de XY. Ici, ça devient une somme double infinie. Comment passer par les probas conditionnels. L'exercice que je voulais faire absolument. On n'aura pas le temps de parler du problème 7 aujourd'hui. Je vous en parle tout de suite. Le problème 7, donc de la feuille que je vous ai distribuée, c'est mon exo préféré de proba, un peu comme le problème d'intégrale impropre que je vous ai donné. C'est un exo qui fait travailler pas mal de notions différentes en un seul exo. J'aime beaucoup la richesse qu'il y a dedans. Vous l'auriez eu à faire en TD pour lundi, si lundi c'était pas férié. Je vous le dis, on le fera courant de semaine prochaine, c'est sûr. Mais donc le problème 7, c'est un problème que je veux qu'on ait travaillé. Nous, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc l'exo que je voulais voir à part ça, c'était l'exo 20. Il est où ? Le 20 ? Le 20 ? C'est celui avec mon minimum de lois géométriques. Mais je l'ai vu tout à l'heure. Ah, c'est le 19. Moi, j'ai mal regardé le numéro quand j'ai fait. Merci. Sauf qu'on est des gens très très forts. On va pas faire un minimum de variables. On va faire le minimum de n variables, on sait faire. Allons-y. Alors, on n'a pas encore refait cette semaine. Mais c'est des choses classiques, on en a déjà parlé, c'est juste pour voir que les principes restent les mêmes. On va faire une variante de l'exercice 19. Là, je vais juste dire que x1, xn sont n variables géométriques indépendantes. Et je veux déterminer la loi de Z, qui est le minimum
des n variables géométriques. Alors ça me permet de refaire plein de choses. Pour pouvoir faire une loi de minimum, il y a globalement deux idées fondamentales qui vont nous servir. La première, c'est ce que j'avais appelé le principe du minimum. Est-ce que quelqu'un va vaguement essayer de me rappeler qu'est-ce que j'avais utilisé d'appeler le principe du minimum? On a n nombres, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Dans quel cas c'est facile de contrôler le minimum de n nombres? Non, c'est pour le maximum. Voilà, c'est le bon. Et tous les nombres doivent être supérieurs. Alors, c'est le bon. Alors, indépendamment du premier, ce que tu viens de me dire, c'est ce que j'ai appelé le principe du minimum. Le principe du minimum, c'est que tous les nombres doivent être plus grands que le minimum. Donc un calcul facile à faire, si j'appelle z le minimum d'après vous, c'est z plus grand que k ou z plus petit que k? Ah non, c'est bon. Oui. Puisque le minimum doit être plus grand que le nombre, dire que le minimum est plus grand que k, ça veut dire que tous les nombres sont grand que k. C'est ça le principe du minimum, c'est ça qui nous permet de calculer la loi d'un minimum ou d'un maximum. Il y a les deux sens, ça dépend si c'est un maximum ou un minimum, il faut réfléchir à chaque fois pour le trouver. Alors c'est ce que va faire le sujet, on a déjà rappelé ça. Alors le sujet, pour commencer, il demande une première question, on en a déjà parlé plusieurs fois cette semaine, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un classique, et notamment pour des minimums de géométrie, sinon les calculs durent des temps. Première question, est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi la probabilité de plus grand que k? Alors, n géométrique indépendante, deux paramètres OP. J'ai mis le même paramètre, en fait, P appartenant à 0,1, pas de problème. C'est quoi la probabilité de xi plus grand que k? Là, ils font un strict, c'est le jeu, j'ai essayé de faire un peu le jeu, ils font des stricts. Oui. C'est vrai, mais c'est long et c'est compliqué. Mais c'est vrai. Ça veut dire quoi? Une géométrie qui est strictement plus grande que ça. En termes de succès. Mais... Là, j'ai juste pris. Ouais, non, mais là, je suis juste sur une des variables. Je ne suis pas sur le minimum, je suis sur une géométrie. Et la probabilité qu'une géométrie soit plus grande que ça. Pardon? Qu'elle a fait caché? C'est qu'elle a fait forcément caché. Donc, ça, c'est la probabilité de faire au moins K-échec. On l'a déjà vu. La probabilité de faire K-échec, c'est 1 moins 2 puissance. Donc maintenant, on va repartir sur notre variable z du minimum. Donc première chose, z de oméga maintenant, la valeur du minimum de n lois géométriques, bah, comme toutes les lois géométriques sont à support dans n étoiles, le minimum il est à support dans n étoiles. Alors il manque quoi comme calcul? C'est pour tout cas, ouais, dans ce cas-là, c'est pour, comme c'est juste qu'ils veulent faire du idéprobe strict, ils veulent faire quel que soit k appartenant à n, ils veulent nous faire calculer la probabilité de z plus grand que k. Donc ça, c'est la probabilité que le minimum de x1, xn plus grand que k. C'est là où je vous avais parlé du principe du minimum. Le minimum est plus grand que k, si et seulement si toutes les variables sont plus grandes que k. Comment on traduit ça? Toutes les variables sont plus grandes que k. C'est marrant. Ouais, c'est les intersections, c'est exactement ça. Ça fait x1 plus grand que k, inter x2 plus grand que k.
impair, et on va jusqu'à XN ou grand écart. Ça, c'est le premier principe fondamental. Après, il y a des trucs techniques qui arrivent toujours là, et que vous devez vous souvenir. Enfin, il va falloir l'apprendre, c'est le prochain, du minimum, du maximum, du maximum. Vous aurez déjà fait des erreurs de lancer quand vous avez fait. Pardon, c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est carrément à mais en fait, c'est vrai que je ne voulais pas le calculer comme ça, donc ça n'a pas important. Exactement ça, c'est que là, t'as zappé. Mais non, mais t'as zappé une étape. C'est pas dans quelle point d'indépendance on arrive directement à cette courbe. Alors, parce qu'elles sont indépendantes, on va avoir que ceci, ça fait la probabilité de x1 plus grande k fois la probabilité de x2 plus grande k fois la probabilité de xn plus grande k. Et maintenant, il y a un deuxième argument qui est, Marois, toutes les variables suivent la même loi. Pour dire que ça, c'est la probabilité, par exemple, de x1 à la puissance k ou à la puissance n. Et donc ça, c'est le calcul précédent, ça fait du 1 moins p puissance k le tout à la puissance n, ça fait du 1 moins p puissance nk. Ok, on a quasiment fini. Le deuxième principe fondamental, c'est que donner une loi de proba, c'est donner la liste de toutes les probas qui sont égales. On n'a pas calculé une proba d'être égale à k, on a calculé une proba d'être strictement plus grande que k. Exactement. Alors, je l'avais fait par des dessins, je l'avais fait par des unions. Non, égal cas. C'est bien ça. On peut l'écrire par des unions d'événements ou des choses comme ça, mais le but est d'arriver à écrire des choses qui permettent de ramener la probabilité d'être égale à k par rapport à la probabilité d'être strictement plus grand que K ici. Arnaud, tu veux dire quelque chose, oui? Ça, c'est de P de l'unité de K, c'est de Z supérieur à K, ou en P de Z supérieur à K moins 1. Alors, quand c'est des inégalités larges, je suis d'accord avec toi. Mais comme là, tout est strict, il faut vérifier. Ne me dites pas de bêtises et n'allez pas trop vite à balancer un truc par cœur sans vérifier le sens de ce que ça. Donc, c'est pour ça que je vais le refaire. Mais on est bien d'accord que maintenant qu'on a la probabilité d'être strictement plus grand que k, on peut ramener aux probabilités d'être égal à k. Alors, je vais d'abord le faire par dessin, après je le fais par événement. Ce que je vous avais conseillé, moi, c'est maintenant qu'on a des événements du type strictement plus grand que k, quand vous n'êtes pas sûr de vous, faites trois lignes, x strictement plus grand que k moins 1, x strictement plus grand que k, x strictement plus grand que k plus 1. Pour essayer de voir, il y en a deux qui vont jouer entre elles, mais pour ne pas dire de bêtises, on va dire comme ça. Et bien mettre à peu près au même endroit, il faut donner des indices. Par exemple, je vais dire que k-1 c'est là, k c'est ici, et donc k plus 1 c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que vous coloriez quand vous êtes strictement plus grand que k-1? Raphaël? Ouais, le k, donc celle-là c'est ça, c'est toutes ces croix-là. Donc forcément, à chaque fois qu'on augmente d'un cran, on décale d'un cran. Donc celle-là va ici. Et celle-là, voilà. Et moi, ce que je veux trouver, c'est un calcul qui me permet d'isoler cette valeur. Quelqu'un peut me proposer une formule qui convient. Au revoir. En proba, mais oui, c'est exactement ça. Donc, maintenant que vous avez trouvé ça, ce que vous pouvez dire, c'est que la probabilité de x égale k, c'est la probabilité de x strictement plus grand que k moins 1
moins la probabilité de x strictement plus grand que ça. Alors, l'autre idée, c'est de décomposer un événement plus grand en... Ça, mais tu vois, Damien, alors, on peut le faire comme ça. Dans ce cas, tu allais partir de celui qu'on avait, je pense, plutôt, le x strictement plus grand que k, tu vas le décomposer en deux morceaux. Et dans ce cas, le morceau, ça aurait été, je le fais comme tu me le proposais. Ah oui, tu avais raison, du coup, maintenant que je l'ai écrit, je le vois mieux, c'est du k plus 1, du k à droite. Donc on aurait pu dire que c'est strictement plus grand que k plus 1, union ceci. L'union étant disjointe, on peut écrire que la probabilité de x plus grand que k, c'est la probabilité de x strictement plus grand que k plus 1, plus la probabilité de x est égal à k plus 1. Problème, c'est, enfin, et après on rééquilibre, mais là le petit problème que ça crée, c'est qu'il faut décaler les indices. Et du moment que vous avez bon, on va retomber sur la même formule que celle qui est ici. Mais je vous assure que dans les deux cas, il n'y a pas 36 solutions. Si vos données, c'est des x plus grands que et la formule, il n'y en a qu'une seule. Il faut juste la retrouver. Et on vous fera confiance du moment où vous avez. Emma ? Alors, je mets en rouge, les 3, c'est l'ensemble des valeurs de ma variable. Je peux prendre des valeurs de 1 jusqu'à plus 1. Ce que je mets en rouge à chaque ligne, c'est qu'est-ce qui correspond à l'événement être strictement plus grand que k. Être strictement plus grand que k moins 1, c'est bien s de k jusqu'à plus 1. Être strictement plus grand que k, c'est bien aller de k plus 1 à plus 1. Donc voilà ce qui est compris dans l'événement qui est là, à cette ligne-là, à chaque ligne. Ce que j'ai entouré moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce que je veux pour trouver ma loi, c'est la probabilité de. Elle s'appelle. Ce que je veux trouver, c'est cet élément-là. Comment, à partir de ce qui est en rouge, j'isole la croix qui est là. Enfin, déjà, le seul calcul qui peut apparaître cette croix-là, c'est celui-là. Donc celui-là, je suis obligé de le prendre en considération. Comment j'isole ces croix rouges à partir de mes lignes, c'est en faisant cette ligne-là, moins la ligne d'avant. Enfin, moins la ligne du dessus. Si je fais celle-là, moins celle-là, j'ai bien isolé toute seule cette croix-là. Donc j'ai bien la probabilité de faire ça également. Et merci. Ah non, là, ça n'a rien à voir avec le minimum, c'est parce que là, la forme des événements que j'ai calculé, j'ai plus le nombre de gauche, mais ça, c'est la probabilité de z plus grand que ça. J'ai le droit de faire varier k, mais la forme des événements qu'on m'a fait calculer, c'est ceux-là. J'ai pas le droit de faire changer les données que j'ai dit. T'es d'accord sur le principe? Ça répond à ta question? Donc maintenant, j'ai quasiment fini. Donc, la probabilité de z égale k, c'est la probabilité, j'ai dit, de z plus grand que k moins 1. Et ça, c'est pour tout k appartenant à L étoile. Donc, par rapport au calcul que j'ai fait avant, ça me fait du 1 moins p puissance n moins k moins 1. N facteur de k moins 1, facteur de 1 moins p, puissance n, puissance n sur k moins 1. Si je factorise par
1 moins P puissance N puissance K moins 1. Je vais me retrouver derrière avec 1 moins 1 moins P puissance N. Quand j'ai réexpliqué ma méthode, je passais avec une variable x sans faire attention. J'aurais dû garder z. Et ici, là-haut, c'est la même, enfin, c'est la même chose. Là, c'est juste pour expliquer la méthode pour lier les événements stricts aux événements égales. Donc, on peut garder des. Enfin, c'est moi, j'aurais dû garder des z partout. C'est pas spécifique à cette variable-là. C'est une méthode qui est valable quelle que soit la variable quand on a des supérieurs stricts ou des supérieurs égales par rapport à des égalités. Ok ? Là, maintenant, il n'y a vraiment qu'une variable. Alors, on a fini les calculs, sauf que tu comprends les calculs. C'est quoi ça comme loi? C'est une loi géométrique de probabilité de succès. 1 moins 1 moins P puissance N. Si je note Q, on va dépasser ça. Si je note Q, qui est le nombre 1 moins 1 moins P à la puissance N, je ne pense pas à du 1 moins P, mais peut-être P prime. Non, P prime, ça ne va pas. V. Et V, ça vous voit. Et... Ah non, c'est Léopold qui l'a dit. Alors, on est bien d'accord que ce terme-là, c'est V. Et ce terme-là, par rapport à V, c'est juste 1 moins V à la constante K moins 1. Donc, Z suit une loi géométrique de paramètre V, c'est-à-dire une loi géométrique de paramètre 1 moins 1 moins P à la puissance N. Voilà pourquoi le minimum d'une géométrique, c'est classique. Parce que le minimum d'une géométrique, c'est notre calcul qui se fait par un échec qui se fait instantanément, et toute la méthode derrière connaît déjà, se réapplique à chaque fois. Ceci sera une. C'est un classique qu'il faut savoir. Et ça nous permet de réviser les minimums et les maximums. Donc j'ai bien fait de vouloir le faire avant ma question, parce que ma question de l'espérance à deux variables, il me reste 4 minutes pour la faire maintenant. Donc je n'aurais pas eu le temps de la faire. Est-ce que ça va pour la révision de deux choses? Le principe du minimum, ça ne m'intéresse pas encore trop. Ce qui m'intéressait beaucoup plus dans cette question, c'est le principe de faire le lien entre des probas. Par exemple, de cette forme-là et des probas de cette forme-là. On peut en être capable à tout moment de faire des liens entre des probas d'être supérieur ou égal ou supérieur strict ou inférieur strict ou inférieur ou égal avec des probabilités d'être égal. Parce que ça, ça peut nous tomber, on n'en a pas encore trop fait, mais on en fera la semaine prochaine, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire que la variable être égale, c'est dur de la calculer, mais être supérieur ou être inférieur, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. On fait des calculs comme ça, il faut savoir revenir à la loi derrière. Est-ce que ce principe-là, c'est de le réviser, ça va? Ouais? Bon, ben, en 2 minutes, est-ce que j'ai le temps de me lancer dans le calcul? Pourquoi? Ah, attendez, il y a Madame de Gans qui m'appelle. Alors, je pense que maintenant, je vais pouvoir répondre. Allô? Ah oui, d'accord, ah oui, donc en fait, voilà, ok, d'accord. Bon, pas, bah, ouais, bon, d'accord, pas de soucis, bon, tant pis. Ouais, non, mais t'en fais pas. Ok. Ah oui, bah oui, je les accepte avec du retard, mais ils vont rater toute l'explication, mais oui, je les accepte, il n'y a pas de soucis. Ah non, si, je les accepte, mais je vais pas faire attendre l'explication pour les 20 autres, quoi. C'est... Non, pas de soucis. Bon,
les sortes maintenant. Voilà. Alors, j'ai pas le temps de faire les calculs. J'écris juste ce que ça veut dire et on arrête là. Là-bas. Dans l'autre exercice, il voulait nous faire calculer l'espérance de XY. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la définition de l'espérance de XY? Roman? Ouais. Inter. Donc juste dans ce calcul-là, je traduis juste et on arrête, ils veulent vous faire faire, c'est la somme, alors x c'était quoi notre variable? X c'était notre variable dans l'ordre d'un grand N. Donc c'est la somme qui pour N égale 0 à plus l'infini. Et dans notre exo, y il valait k et k allait de 0 à plus l'infini. Ça aurait fait des nk probabilités de x égale n inter y égale k. J'ai vraiment pas le temps d'aller plus loin.